Mickey, on a regardez assorti. Mickey. Mickey est assorti. Et là, je sais pas ce qu'on va faire encore une fois. Que des surprises. Mais j'espère que c'est un truc gros. Bah ouais, ils t'attendent. Hein. C'est une honte. Non mais t'es sérieuse? Voilà, voilà. Et pour vous? Un onglet de bœuf. C'est tout vierge ce soir. Vous voulez boire quoi? Alors, en vin rouge, nous avons du Bergerac, du Pimauvois, et un vin de la cave de 1820. Elle se fait engueuler en fait parce qu'elle fait n'importe quoi. Elle est archi pas sérieuse. Il y a le patron. Bah, vous me dites ça, c'est mignon. On y va, Sarah. Deux paradises, s'il vous plaît. Deux paradises, allez. C'est bon. Ça sera avec ma collègue. Avec ma collègue, j'ai capté le point tout à l'heure. Allez, deux pailles, on y va. Allez. On envoie. Merci. La personne ne voit plus. On attend un petit peu. Donc aujourd'hui, on a fait la grasse mat. Ça a fait du bien. Et là, on visite le camping. On va déjeuner, donc c'est trop stylé. Et là, on va aller prendre un petit déj. Voilà, et un petit café au camping. Donc, hyper sympa. Alors là, en fait, ce qui se passe, c'est que Issa met des adresses. Lui sait où on va. Et moi, je découvre à chaque fois. Je suis un tatoueur. Je ne sais pas ce qui m'attend. Donc là, Issa m'a annoncé qu'on allait faire un tatouage. Tous les deux. Donc Issa va se tatouer mon prénom, que je sais pas où je vais mettre d'ailleurs, mais c'est Issam qui va choisir et je vais le découvrir que quand il sera tatoué. J'ai trop peur. C'est bon. Voilà. Waouh. Côté du cœur. C'est ça. Et avec ton joli vernis, c'est tout moi. Voilà. C'est bras et tatouage. Bon, pendant qu'Issam est en train de se faire tatouer, là, moi, j'attends. Donc, en fait, après, il va choisir un petit tatouage pour moi. Et j'ai trop, trop peur parce que moi, Issam, on n'a pas. Mais après, il connaît mes goûts, donc j'espère qu'il va pas me faire faire tout et n'importe quoi. Donc, je vais découvrir le tatouage après, donc une fois que bah, il sera tatoué sur ma peau. La boutique de tatouage, le temps qu'il se fasse tatouer, parce qu'il y en a pour un petit moment, enfin un peu moins d'une heure. Et ensuite, c'est à mon tour. Bref, là, je vais parler aux fumeurs qui me demandent ce que c'est ça. Voilà, parce que en ce moment, je fume que ça. Voilà, ça s'appelle la puff. De cigarette jetable électronique française. Et ça, big up à ma cousine, parce que ça, je l'ai découvert grâce à ma cousine en Espagne quand j'étais à Marbella. Voilà, elle a arrêté la cigarette grâce à ça, parce qu'elle prenait
que ça. Et du coup, ça lui a permis de ne plus consommer de cigarettes. Et donc, moi, je me suis dit, vraiment, j'ai envie d'arrêter. Et franchement, j'ai commencé étant jeune et je regrette. Et donc, le seul moyen que j'ai trouvé pour arrêter, bon, c'est vrai qu'il faut une volonté quand même, et c'est dans la tête, mais c'est ça, en attendant, pour ne plus consommer de cigarettes. Donc voilà, comme je le marquais juste avant, les jeunes, franchement, ne tentez pas d'essayer la cigarette, ne vous faites pas engrainer. Enfin, il n'y a rien de mauvais. Et pour ceux qui fument, il faut essayer d'arrêter. C'est hyper mauvais. Et voilà. Donc moi, je suis passée à la puff. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent arrêter de fumer, passez à la puff. La puff, c'est quoi? C'est différent. Donc c'est ça, en fait. C'est une cigarette électronique jetable. On n'a pas besoin de la recharger. Elle est jetable plus. Ouais. Il y a de la vapeur comme si on fumait et il y a un goût. Donc celui-là par exemple c'est goût cerise. Après j'ai ceux-là goût pêche ice et voilà goût marshmallow. Et ça c'était goût cerise. Ce qui est génial c'est que c'est à vous de choisir. Là moi celle que je prenne, moi directement je me mets dans le bain, c'est zéro nicotine. Après, c'est à vous de choisir. Il y en a à 0,2% de nicotine, il y en a à 2% de nicotine. Après, c'est à vous de choisir, c'est selon la volonté de chacun. Moi, personnellement, je me suis dit, je commence directement par les zéro nicotine, comme ça, je n'ai pas de problème à vouloir refumer une cigarette. Et pour l'instant, ça marche. Et l'avantage aussi de la puff, donc au-delà de ça, c'est que... ce qui est génial, c'est que ça sent pas. En fait, il n'y a pas cette odeur qui reste imprégnée sur nos habits, cette odeur dégueulasse de tabac froid. Non, là, et ça s'évapore en fait. Donc, il n'y a vraiment pas d'odeur. Moi, je fume dans le van pendant que je conduis. Il n'y a aucune odeur qui reste dessus. Donc, vraiment, la puff, c'est génial. Donc si vous êtes intéressé, je vous laisse un code promo de moins 20%. Par contre, ce code, il est valable que 24 heures. Vous recevez votre puff hyper, hyper rapidement dans votre boîte aux lettres avec mon code promo. C'est génial. Et également, il y a une offre actuellement sur le site. Je vais vous montrer. Mais pour 5 puffs achetés, vous en avez une sixième qui est complètement offerte. Donc là, c'est le moment d'en profiter. Donc là, vous voyez, je suis sur le site de Puffland et là, vous avez tous les goûts. Donc regardez, hop, et vous avez moins 20% bien évidemment sur votre commande. Et regardez, je vous ai montré dans 5 puffs et j'en ai une puff surprise. Donc c'est pour ça que je vous dis 5 puffs achetés égale une sixième offerte. Et bien évidemment, vous avez moins 20%. Bon, ça y est, Issa m'a terminé de se tatouer. Et là, maintenant c'est à mon tour, je ne sais pas ce qu'il a choisi pour moi, mais autant vous dire que je panique complet. Heureusement que Clarisse, franchement, elle est la meilleure tatoueuse de la région. Non, entre de bonnes mains. Voilà, quand même entre de bonnes mains, mais je ne sais pas ce qu'ils ont choisi pour moi. Donc Clarisse, t'es prête? Ouais. J'ai trop peur. Bah, c'est surtout toi, elle veut des voix. Donc là, je vais donner mon téléphone à Issam qui va filmer, comme ça je ne pourrai pas voir ce qu'elle me fait. Donc ça va être sur cette épaule-là. Voilà, au moins j'ai choisi au moins l'endroit et apparemment sur cette épaule là ça irait bien. Donc je sais pas du tout ce que c'est, mais en tout cas Clarisse est aux commandes et je laisse mon téléphone à Issa. Mais bizarrement t'es très en confiance avec Clarisse. Hein. Alors, en fait c'est avec Clarisse et puis les tatouages, voilà, j'ai l'habitude, j'en ai fait plein. Mais par contre, ce que j'ai peur, c'est un truc très bizarre. Donc là, je vous emmène dans les coulisses de Clarisse, du coup. Je peux pas trop rentrer parce que du coup je peux pas vous dévoiler. Mais clairement, elle est entre deux traits. Et du coup, Sarah, est-ce que tu as mal? Alors, pas du tout. Et j'essaye d'imaginer ce qu'elle est en train de faire. C'est hyper difficile. Ce que j'ai choisi, ouais. Ouais, voilà. Bah, du coup, ce que tu as choisi. Mais tu me fais confiance, hein, c'est incroyable. Parce qu'en réalité... Je te fais confiance parce que, franchement, si t'as fait un truc n'importe quoi, notre amitié, elle sera brisée à jamais. Mais non. Bah, si, je te dis. Bon bah du coup c'est fini? Ouais. Bon. Faut que j'aille voir, j'ai peur. C'est très très beau, très fin et très beau. J'ai du mal à te croire. Il y a peu de chances que t'aimes pas. Ah ouais? Tu peux... Yes. Mais c'est trop beau. Mais c'est une lune. Oui. Mais c'est une lune, mais c'est trop beau. Mais c'est trop beau, en plus c'est tout fin. Alors sachez aussi que Clarisse, elle est spécialisée dans tout ce qui est recouvrement, donc des cicatrices et aussi des brûlures, c'est ça, reconstruction. Et tu peux annoncer aussi ce que tu fais. Alors chaque année, j'offre un tatouage de mastectomie, donc artistique,
Et bon. Je l'offre à une femme qui a subi un cancer du sein, où la cicatrice date de plus de 2 ans. Voilà. Et chaque fois à Octobre Rose. Il me manque le prochain. Donc voilà, il lui manque sa candidate pour octobre. C'est magnifique de faire ça, vraiment, vraiment beau. Et en plus, moi, maman qui a eu un cancer du sein, bah, ça me touche d'autant plus. Et sachez qu'il lui manque une candidate. Donc envoyez-lui un message. Merci. Bon, là, on est dans un magnifique port. Donc là, je ne sais pas, on se retrouve dans un... Mais regardez, on vient d'arriver dans une salle de sport, d'où le legging. Donc en fait... Donc... Dans l'autre sens, ça commence bien. Je croyais que c'était les vacances. Après le sport, on repart vers une nouvelle destin. Voilà, merci, merci, merde, merci. Tu vas me filmer dans des meilleures conditions ? Non, on est à l'arrache, c'est le camping. Ce n'est pas la beauté. Donc trop cool, on vient de terminer le sport, enfin trop cool. Non, ça m'a fait du bien, je vous avoue que ça m'a fait du bien. Et j'ai bien tenu le coach, il était hyper content. Et là, direction à Noirmoutier, donnez vos bons plans si vous connaissez. Et juste avant, je voulais vous rappeler l'offre anniversaire de Mamie Réglisse, parce que je trouve que c'est une super belle offre qui termine bientôt. Moi perso, regardez mes poils, ils n'ont pas encore repoussé. Donc je suis hyper contente, j'ai encore la peau toute douce. Donc profitez de cette offre, comme ça une épilation à la maison, comme des vrais pros. Il y a moins 50% en ce moment pour l'offre anniversaire sur le site. Et en plus de ça, je vous donne un code promo de moins 20%. Bien arrivé à Noirmoutier, c'est hyper sympa, en plus il fait hyper bon. Plus ma carte. Ah, ça voilà. Tu m'as dit je t'invite à manger une glace, tu m'invites ou tu mets... Vas-y, cap. Cap, tu vas t'asseoir au milieu des dames là. Des deux dames, tu vas dire excusez-moi et tu vas t'asseoir au milieu de les deux. Personne. Ouais, là, on vient d'arriver à la fraiserie. Non, je paye pas. Allez, va payer. Je paye pas. Mais genre...